Petit frère, c'est l'heure de te réveiller. Qu'est-ce que tu me veux encore? T'as pas fini de m'effrayer comme ça chaque nuit, j'en ai marre. Non, je n'ai guère fini. Viens ici, s'il te plaît. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Aïeux. Viens ici. Ah, lâche-moi, tu me fais mal. Viens ici. Ah, non, non, non. Qu'est-ce que vous me vouliez? Juste te faire peur. Ne t'inquiète pas, ça va pas te faire du mal. Non. Non. Oh non. Et qu'est-ce qu'on a fait? Non, 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 non. Si mon père va apprendre ça, oh punaise. Je vais me faire défoncer. Surtout que notre père a un caractère très dur. Ouais, bon courage, l'ami. Pourquoi vous n'allez pas me défendre? Non, non, nous, on t'a juste regardé, c'est tout. Bon, maintenant, excusez-moi, mais je me sauve. Non, je suis clairement dans la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Une connerie. Mais je pensais pas que ça allait le mordre, moi. Je voulais juste lui faire peur comme d'habitude. Bon. On va dire que c'est pas grave, hein? Ouais, c'est ça. Comme tu me dis, ça va pas être grave. Mais t'as tué quelqu'un, t'as tué ton propre frère. Je sais. Bon, je te laisse dans la mouise. Ciao. Désolé, poteau, mais je peux pas. Désolé. Mais c'est pas tout seul. Bon, ok. Viens ici, toi. Ok. Papa. Quoi? Que veux-tu? Oh, c'est quoi ça? Qu'as-tu fait? Je suis juste terriblement désolée. Je voulais juste faire une mauvaise blague. C'est sûr que c'est une très mauvaise blague, oui. Oh, mon fils, qu'as-tu fait? Est-ce que t'as appelé les ambulances? Oh non, me dis pas que tu l'as pas fait. Tu sais quoi? T'es vraiment chiant comme gosse. Mais papa... Ah, ça suffit. Retourne dans ta chambre. De suite, je vais vite appeler les ambulances. Ok? Dépêche-toi d'aller dans ta chambre. C'est bon, j'y vais. Oh non, mon fils. Je vais appeler les ambulances. Mon fils. Mon pauvre petit-fils. C'est bon, t'es fier de toi. Il est à l'hôpital maintenant. Oui, bah, ça va, c'est bon, j'ai compris. Oh, petit frère. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment confus. Ah, oh, bah, ça, c'est sûr que tu ne peux que l'être. Ça va, j'ai compris. Enfin, j'espère que... Je
Je referai pas ça la prochaine fois. Enfin, s'il est encore en vie, pour l'instant, il est dans le coma. À cause de moi. Sale petit merde. Désolé. J'ai failli te donner une roost. Mais je me retiens. Rentre à la maison maintenant. Mais papa... Rentre à la maison. Écoute papa, je dois t'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai tué. Quoi? Mais t'es sérieux? Ça va pas la tête? Et tu l'as tué comment? On faisait un prank. Que le mettre dans la mâchoire de l'animatronique, c'est pas vrai! Mais dis-moi que c'est pas... Je suis vraiment désolée. Papa... Tu m'as fait mal, j'en ai rien à foutre! Tu l'as tué! C'est vraiment qu'un monstre. J'étais pas comme... C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'en ai marre de toi. J'ai marre de tes conneries. Qu'est-ce qui te prend? Ça t'apprendra. Bon, je vais faire un tour. Papa, pourquoi fais-tu cela? Tiens, un enfant. Et si je vais lui faire ma petite présentation? Il est temps de prendre la revanche en main. J'ai pris goût. Et toi là-bas? Qu'est-ce que vous me faites? C'était presque trop facile. Bon, allons voir les autres. Hey, c'est joyeux anniversaire. Oh, merci, c'est trop sympa. Et j'ai vu tout à l'heure un animatronique très rigolo qui est très doré aussi. Il va. Bah tiens, le voilà. Eh bien, salut tout le monde. Les cinq enfants là, venez, suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer dans une pièce. Ok, on arrive. Et me voilà. Quoi, non, ne fais pas de mal, s'il vous plaît.
plaît, non, 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 non. Lâche ce couteau. Vous voilà. Ok. Bon. Ben, on passe à l'étape suivante. Les animatronics. M'énerve ce couteau. Bon, alors. Calendrier. 4 dans Freddy, 4 dans Foxy. Et voilà. C'était presque trop facile. Ou presque. Quoi? Mais comment est-ce possible? Je vous ai tué. Il y en a des fantômes. Non! Non. Bonne idée. Voyez, je le sens. Oui, on a réussi notre mission. Maintenant, on peut enfin retrouver la paix. Allez. Et c'est ainsi que, au lieu de Spring Bunny, on l'appelait Springtrap, il restera coincé pendant 20 ans. Puisqu'après, il revit dans Joyous Crusher. Et ça, je ne vous dis pas plus. Oh là là, il n'y a rien à la télé, mais c'est pas possible. Oui, entrez. Oh là là, quelle aventure. Et puis tiens, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles pour toi qui sentent très bon. Eh ben, pour une fois que ça sent très bon. Chez moi, ça change. Quoi? Ah 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 ah, très drôle, super comique. En attendant, j'ai quelque chose pour toi qui pourrait te faire changer d'être dans la mouise. Lis ceci, j'en suis sûre que cela va t'intéresser. Ok, si tu le dis, je vais te laisser le lire. Alors, Freddy Fazbear Pizzeria Place. Eh ben, joli dessin. Ah, mais s'il te plaît, lis la suite si tu fais pas d'effort aussi. Hein. Si, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je lis la suite. Là, vous devrez être voilà, de minuit jusqu'à 6h du matin. Et vous
cette nuit, vous devrez, vous recevrez un chèque de 100 euros. Eh ben, c'est pas bien cher. Ah, mais ça va, c'est déjà pas mal. Je te rappelle que t'es au chômage. Je sais. Pour plus de renseignements, appelez ce répondeur ci-dessous. 06 24 08 72. Ok, mais ça sert à quoi si c'est un répondeur? Pour avoir plus de renseignements si ce n'est qu'un répondeur. Mais appelle, s'il te plaît. T'es énervant là, s'il te plaît, depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as? C'est bon, je vais appeler, calme-toi. Ok. Il faudrait une tenue de garde de nuit. D'accord. J'en ai plein de magasins de garde de nuit. Ok. Ce soir, ouais. Je commence dès ce soir. Ah, mais c'est cool. Ok. Bon. On va faire les magasins. Allez, c'est parti. Attends. Quoi? Tu comptes pas y aller dans cette tenue? Quoi? Mais, enfin, je veux dire que tu vas pas y aller en robe de chambre. Ah oui, bien sûr. Je vais me préparer et j'y vais. Je préfère ça. Eh bien, ça fait la fête, ça fait pas semblant, dis-moi. Pour le bordel. Bon, de toute façon, c'est même pas moi qui s'occupe de ça. Bon. C'est à eux que je dois. D'accord. Super. Bon, c'est parti.